دنگلر زینه دنگلر زینه ایرو چرخا شورش فرد گرینه. Nous sommes ici pour la deuxième année et nous serons autant qu'il le faudra pour obtenir la vérité et la justice à propos du triple crime commis contre nos trois amis kurdes. Nous voulons faire grandir dans les cœurs et la conscience des Français ce que représente ce crime. Il ne concerne pas seulement les Kurdes, il concerne tous les citoyens et citoyennes de France, il concerne la démocratie française. Et hélas, je crois qu'aujourd'hui, on peut mieux comprendre que Leyla, Sakineh et Rojbin ont été assassinés par les forces obscurantistes, les forces islamistes turques, on le sait maintenant. Avec vous, nous marchons et nous nous rassemblons pour que justice soit faite, pour que les commanditaires de ces trois exécutions de nos sœurs, Rojbi, Sakineh et Leyla, soient retrouvés dans les délais les plus brefs. Et pour cela, les autorités de la France doit faire activer la justice, y compris la justice internationale. Il a été commis à Paris un crime, des exécutions, et quand les autorités de la France, le président de la République française, rencontrent en lui déroulant bien souvent le tapis rouge, le président de Turquie, il doit absolument en discuter avec lui et lui demander de prendre les initiatives nécessaires de coopération politique et policière pour que les assassins et les commanditaires de ces assassinats soient retrouvés sans délai. Et rien, absolument rien, aucune excuse ne peut être accepté, même pas cette fausse excuse selon laquelle on continue de qualifier vos mouvements et particulièrement le PKK comme organisation terroriste. Nous le disons, nous le redisons et nous continuerons à le clamer, retirez le PKK de la liste de ces organisations terroristes. Les terroristes, ce sont ceux qui ont exécuté froidement nos trois sœurs. Les terroristes, ce sont ceux qui viennent ici à Paris s'en prendre à la liberté d'expression, voulant décapiter un journal et nos camarades. Les terroristes, ce sont ceux qui s'attaquent à la police française et aux synagogues. Voilà où sont les terroristes. Les terroristes, c'est Daesh, c'est-à-dire ceux qui à Kobané lancent tous les jours des attaques contre vous-même, contre vos familles. C'est cela qu'il faut pourchasser et pas le PKK. Chers amis, nous sommes rassemblés
Vous êtes venus parfois de très loin ici à Paris. Vous êtes courageux. Nous le prenons aussi comme une manifestation de soutien dans le deuil qui nous frappe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les mêmes qui là-bas assassinent, égorgent les combattants de la démocratie, les défenseurs des droits des femmes, sont les mêmes qui viennent ici abattre de sang-froid des journalistes et des policiers. Voilà ce en quoi notre combat est commun. C'est un combat contre la barbarie et c'est un combat pour l'humanité. Voilà ce qui renforce encore, plus que tout, la nécessité de reconnaître nos frères et nos camarades du PKK et de les enlever de cette liste noire. Ceux qui maintiennent le PKK dans la liste des organisations terroristes aujourd'hui ne rendent aucun service à la démocratie et ils doivent désormais choisir leur camp, la démocratie ou la barbarie. La barbarie, c'est Daesh, et si on est du côté de Daesh, on continue de faire comme cela. Si on est du côté de la lutte contre la barbarie et le terrorisme, on prend la décision de retirer le PKK de ses listes et dès la semaine prochaine. Et je veux vous dire, pour être fidèle à mes camarades, à mes amis qui sont morts cette semaine sous la mitraille de ces barbares, je veux vous dire, en fidélité à leur action, ils étaient aussi vos amis. L'un, le directeur de ce journal, qui s'appelait Charles, notre camarade Charles, a fait beaucoup d'expressions, a fait beaucoup de dessins pour soutenir votre combat, pour soutenir votre émancipation. La semaine prochaine, à la suite de ce rassemblement, les parlementaires du Front de Gauche et les parlementaires communistes, dans le Sénat, l'Assemblée nationale française et le Parlement européen vont rendre compte de ce mouvement et vont demander que on pourchasse les commanditaires de ces assassinats, vont demander que les autorités européennes et françaises retirent le PKK de la liste noire, vont demander que, comme l'a fait l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la Commission européenne, la haute représentante de l'Union européenne et le Parlement européen lui-même, prenne lui aussi des initiatives en ce sens, car vous ne pouvez pas rester seul et nous ne vous laisserons pas seuls. Là, vous savez que nous multiplions les initiatives pour venir en soutien aux réfugiés victimes de cette guerre qui fait tant de mal dans vos familles, chez vos compatriotes. Nous, avec les municipalités du Front de Gauche et les municipalités où il y a des maires communistes, nous apportons tout le soutien nécessaire aux réfugiés. Vous savez que le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, s'est rendu sur place il y a quelques semaines. Notre solidarité ne vous fera pas défaut. Notre solidarité ne vous fera jamais défaut, car nous sommes des combattants de l'internationalisme. Et nous avons fait cette proposition que la résolution des problèmes, la résolution des conflits et des tensions ne peut passer d'une part que par une aide aux combattants,
et d'autre part par une grande conférence internationale sous l'égide des Nations Unies pour trouver le chemin du dialogue et de la paix et de l'émancipation pour vos peuples. Chers amis, chers camarades, en ces moments si particuliers, ensemble, comme le titre votre journal Politics ce matin, comme vous le brandissez sur vos pancartes, aujourd'hui, nous communions ensemble autour d'un mot d'ordre simple. Je suis Layla, je suis Robjin, je suis Sakine, je suis Charlie.